Et bien bonjour à tous les amis, c'est Moustache et aujourd'hui on se retrouve dans Magnet Simulator et j'ai la rage. Comme vous pouvez le voir, j'ai 605 Rebirths. J'ai voulu voir en fait ce que c'était les super Rebirths qu'il y a eu dans la nouvelle mise à jour qui sont juste là. Et comme une gogole avant de trade mes pets, et ben j'ai fait machinalement oui. Et au final j'ai recommencé à zéro et là je me suis dit merde. Donc voilà, donc au final je recommençais à zéro. Et du coup maintenant comme je disais il y a des super rebirths. Et quand on super rebirths, ah d'accord ça demande 50 000 de rebirths de requis. Quand on utilise les super rebirths on a des super tokens, voilà. Et on peut augmenter le nombre de pets qu'on peut équiper, les rebirth tokens multiplayer et le coin respawn time, c'est-à-dire le temps que les pièces mettent à réapparaître. Donc du coup j'ai utilisé pour l'instant mon rebirth token ici, puis je me suis dit en fait non j'aurais dû prendre dans les pets, mais bon c'est pas grave. C'est pas grave. Du coup, j'ai totalement recommencé à zéro. Et alors hier, il y avait des abonnés avec moi dans le jeu. Il y avait Armor, je crois, Larry, Jason et tout. Et Larry m'a aidé. Il m'a donné des pets. Donc, ça m'a de retour aidé. Parce que moi, j'étais avec les pets qui faisaient genre 1250 et du 800. Et au final, il m'a redonné des pets comme ça. Donc, merci à vous. C'est vraiment trop mignon. Donc, du coup, voilà. Maintenant, j'ai 225 QD. Et... est-ce que je peux m'acheter des rebirths en beaucoup nombre ou... Oh, je peux m'acheter 1000 rebirths, ça y est. Oh, cool. Ah ben oui, mais moi, je l'avais, les 1000 rebirths, hein. Parce que déjà que j'ai galéré, là. Oh, cool. Donc, du coup, attends, j'ai 32 B. Ah ouais, ils sont chers, les œufs. Ils sont chers, ils sont chers. Attends, je vais voir si je peux pas acheter, du coup, un aimant. Parce que ça peut servir, ça aussi. Donc, attends... 9, 85B. Oh la vache! Donc actuellement, j'ai lequel? J'ai celui-ci qui fait 115 et 68. Et du coup, je passerai 128 à 100. Ah, quoi que c'est pas mal. Allez, j'achète. Ça servira toujours de toute façon. Hop. Voilà. Et on va pouvoir aller logiquement dans une nouvelle zone, entre guillemets. Attends. Je crois qu'il y en a une à 1000 rebirths, non? 5 rebirths. Ah, attends, c'est pas elle? Si, c'est celle-ci, c'est bon. C'est celle-ci, et du coup, on va farmer dans cette zone directement. J'espère que ça va aller assez vite, parce que la rage que j'ai intérieurement de ne pas avoir gardé mes pets, surtout que j'ai mis 15 ans, quoi, avoir ceux à 50 T, de la fin 50 T, au final, je les ai perdus comme une gogole. En plus, j'avais réussi à faire un shiny, il me rapportait 52 000, je crois, un truc du genre. Ah non, mais la ragitude de Moustacho, je vous assure, les amis, que là... Là, je peux même pas l'exprimer tellement que je rage. Bon, dans cette zone, c'est assez long à farmer. J'ai essayé d'aller vendre là pour voir combien je vais avoir. Parce que ça se trouve, je peux acheter les 1000 rebirths et ça ira beaucoup plus vite. Du coup, j'ai 124,2 QD. Ouh, le saut. Et c'est à... Oh non, c'est à 196. Non, je suis trop deg. Bon, c'est pas grave, on va farmer jusqu'à 196. Mais bon, tu vas me dire, il me manque que dalle. Il me manque que dalle, donc il suffit que j'ai encore à peu près... 20B, ça devrait le faire. Largement le faire, même. C'est bon, j'ai largement de quoi acheter les 1000 rebirths. Et aussi, j'avais oublié de vous dire qu'avec la nouvelle mise à jour, il y a une nouvelle zone à 100 000 rebirths. Et je voulais absolument la découvrir de base dans cet épisode avant de super rebirths. Parce que j'avais vu qu'on perdait tous les pets, tout. Et au final, voilà. Je me suis fait avoir, mais alors... en beauté. Du coup, là, j'ai 55B de diamants, ce qui est pas mal. Mais bon, vraiment, on va farmer... à fond les rebirths. Donc là, on avait dit que c'était 15 000 cette zone. Donc il faut que je vise 15 000 rebirths. Et après, on pourra... comment dire, j'ai oublié d'enlever les trades. Hop, on pourra mieux farmer. Cette zone, il n'y a vraiment pas beaucoup de pièces, quoi. Regarde, t'as vite fait le tour, quoi. Après, t'attends qu'elle respawn. Donc, c'est pour ça que je préfère mieux une zone où t'as pas mal de pièces. Vous savez ce que je vais faire aussi les amis, c'est qu'il faut que j'aille acheter des chapeaux parce que du coup j'en ai plus, j'ai tout perdu. Donc déjà je vais viser pour avoir les 319 QD pour les rebirths, les 1000 rebirths. Et après on va s'acheter des chapeaux, mais logiquement là je devrais les avoir dans pas longtemps. Ça augmente tellement vite l'argent. Enfin je parle au niveau des rebirths hein, parce que
Le mien, bof, bof, faudrait que j'ai de meilleures pets, mais bon, faut que j'ai faim. Enfin, en fait, faudrait que j'ai plusieurs overseers, ou je sais pas quoi là. Parce qu'eux, ils sont vraiment pétés. Et du coup, alors attends, on va les vendre. Logiquement, ça devrait être largement bon là. Hop. 383, oui, c'est bon, c'est largement bon. On va rebirth, ça nous fera des diamants en plus. On a 108 baies de diamants. Ah la vache! Et du coup, on a dit qu'on prendrait. Attends. Oh, 250 baies, ouais, on va prendre cela. Donc on va en prendre. Allez hop. Voilà, c'est bon. On arrive à 100 baies pile. On va dire que ça va suffire. Allez, allez, allez. Et du coup, niveau. What? Attends. Pourquoi j'ai. Hier, quand j'ai fait le super token, j'avais perdu tous mes chapeaux. Je les avais plus. Et là, du fait que je réouvre les chapeaux, ils auraient apparu. Ah bah attends, moi je vais équiper cela du coup. What? Mais c'est quoi ce bug? Alors déjà, j'ai remarqué quelque chose parce qu'en fait, j'ai rage quit tellement que j'avais la rage. Et quand je me suis reconnectée au jeu, au lieu d'avoir 15 d'espace dans le sac et le premier aimant du jeu, j'ai recommencé avec le Rebirth Magnet et à 5,2 B au niveau du sac. Alors je sais pas si c'est un bug ou pas. Mais j'ai envie de dire tant mieux parce que moi ça m'arrange. Oh mais c'est trop cool du coup que j'ai retrouvé mes chapeaux. En plus hier à plusieurs reprises j'y suis allée dans l'inventaire pour être sûre qu'ils y soient plus. Et ils y étaient plus. Et là au final je les ai. Putain mais c'est trop bizarre les bugs. Du coup ce que j'ai fait les amis c'est que j'ai acheté 2 œufs à 85 B. Du coup j'ai plus de overseers, je sais pas. Et du coup comme ça il me rapporte plus d'argent, plus de pièces et tout. Donc du coup là si on va vendre ça devrait faire pas mal. Et comme ça on aura aussi pas mal de diamants en plus. Donc on va aller voir ça. C'est pas c'est bon j'ai 30 B, je voulais attendre les 30 B mais je les ai déjà. Hop, hop, et du coup j'ai... Ouh, 596, cool. Et ils sont à... 564, c'est bon, nickel. Du coup, j'ai 89 B, bah direct, j'ai envie d'ouvrir un œuf. Ah! Alors, attends, hop, voilà, parfait. Comme ça, j'en aurai un en plus. Allez, 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 allez. Et du coup, celui-ci, niveau stats, il a combien? 17 000. Et je crois que j'ai encore lui d'équiper qui a 11 000. Donc du coup, je vais le déséquiper pour mettre celui-ci. Voilà, et comme ça, j'aurai la team Overseer. Et du coup, attends, j'ai quand même supprimé les pets qui me servent à rien parce que sinon, je vais... Ça va vite être le bordel et je vais vite me perdre. Donc attends, hop. Le Golden Dominus aussi, je vais le supprimer. Hop, 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 nickel. Lui aussi, je vais le supprimer, du coup, il me sert à rien. Et du coup, cela, il me sert plus à rien. Hop. Et hop, voilà, le dernier. Voilà, parfait. Et comme ça, bah, j'ai les 5 en fait, tout simplement. J'ai de la team Overseer. Et du coup, bah, là, ça va aller beaucoup plus vite, je pense. Hop, j'ai 5 000 rebirths. J'aimerais vraiment avoir les 15 000 dans cet épisode. Bon, du coup, les amis, j'ai bientôt 15 000 rebirths. Enfin, après avoir farmé, farmé, farmé et farmé. Et du coup, je vais pouvoir aussi ouvrir plein d'œufs pour avoir des pets shiny. Enfin, je pense. Après, je vais voir l'autre œuf, le prochain œuf, à combien il est. Parce que sinon aussi je pourrais fermer pour le prochain œuf. Du coup là on va aller vendre. Hop. C'est bon, j'ai largement de quoi rebirth. C'est parfait. Hop. Voilà, j'ai 1,1 T. Et du coup, bah, j'attends que ça charge et après on va aller direction les œufs. Et il est à 1 T cet œuf. Et bah écoutez, j'ai envie de dire, on achète et puis on en achète un comme ça, voilà. Parce qu'à mon avis, c'est aussi rentable Magma Egg. Donc du coup, le Magma Egg, il est à combien? Il est à 23 000, ouais, il est pas mal, hein. Franchement, il est pas mal. J'ai juste farmé un petit peu pour 1 000 rebirths encore, histoire de pouvoir acheter, comment dire, les... Justement, l'œuf pour avoir un shiny, parce que je crois que dans pas longtemps, je pourrai avoir un shiny, surtout pour lui, parce que j'en ai 8. Et après, ouais, 4, 3, 1. Donc, j'aimerais... avoir des pets un peu plus forts, donc c'est ce qu'on va faire. Écoutez, je vais farmer pour les shiny. Bon, du coup, là, ça devrait faire vraiment pas mal de diamants. Donc, on va vendre. Bim. Voilà. Et du coup, j'ai 4,3 QN, ce qui est énorme. Vraiment énorme. Donc, on va rebirth. Ça me fait 596 B de diamants. Donc, j'en ai 659 B. Ah la vache. Ah là, j'ai la dose. Hein. Là, j'ai vraiment la dose. Donc, hop, on achète, on achète, on achète. J'espère que je vais pouvoir faire un shiny.
Allez, 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 allez. Est-ce que je peux faire un shiny ou pas? Oh yes, je peux faire un shiny, cool! Alors, j'avais vu une astuce aussi que l'un d'entre vous m'avait dit dans les commentaires, c'est que je pouvais utiliser l'autoclic pour faire craft shiny, ça en faisait plusieurs. Alors oui, ça en fait plusieurs, mais le problème, c'est qu'en fait, ça en compte plusieurs ici, mais quand on va dans l'inventaire, il y a toujours le même nombre qu'on peut faire, en fait, il n'y en a pas plus. Donc du coup, au final, c'est juste un petit bug qu'il y a. Attends, je vais tous les déséquiper pour pas me tromper. Attends, c'est lequel que j'ai équipé? Ah, attends. C'est bon, voilà, c'est bon. Donc du coup, je vais déjà équiper les deux shiny parce que là, j'ai 22 000 et 21 500. Je vais équiper lui qui a 23 000. Et là, j'ai 17 000, 14 000, 15 000, 17 500. Ok, et 18 000. Ah, eux, ils sont plus avantageux. Comme ça, là déjà, j'ai une meilleure équipe. Hein. Franchement, là, j'ai une meilleure équipe. Bon, j'ai toujours la rage de recommencer à zéro parce que c'est vraiment pas ce que je voulais. Je voulais vraiment découvrir avec vous la zone à 100 000. Mais écoutez, c'est pas grave. Hein. Ce que j'ai envie de dire, c'est qu'au moins, on a essayé les super rebirths, donc les rebirth tokens, là, ou je sais pas quoi. Et au final, moi, je pense qu'il vaut mieux pas. Ah bah oui, je peux aller dans cette zone, pourquoi j'ai fermé dans l'autre, je suis bête. J'avais complètement zappé que j'avais 15 000 rebirths et je pouvais aller dans cette zone, j'y suis allée machinalement. Oh, ça va pas bien mon stachot. Mais du coup, je pense qu'il vaut mieux pas acheter dans un premier temps les pièces. Je pense qu'il faut vraiment acheter les pets pour avoir plus de pets d'équipés. Parce que c'est vachement avantageux ça, je pense que ça aide énormément. Et c'est ce que je vais faire la prochaine fois. Du coup, bah, ce que je vais faire, c'est que je vais farmer hors caméra pour avoir les 50 000 rebirths et avoir des super tokens. Et du coup, avoir un pet en plus, etc. Ça va prendre du temps. Je pense pas que je vais faire un épisode sur Magnetimator tout de suite. Mais faut vraiment que je me mette à farmer à mort, mort, mort. Bon, et bien écoutez les amis, on va s'arrêter là sur cet épisode de Magnet Simulator. Donc si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et un petit commentaire. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye!